Bonjour, Ménin, les papillons de venir. Alors aujourd'hui, ben voilà, levé à l'aube et pour nettoyage du chalet. Première mauvaise surprise de mes locations de ce mois de juillet. Donc voilà, une famille probablement qui est venue, je ne sais pas, en 3 jours, ils m'ont foutu un de ces bordels. Incroyable, sans compter qu'ils m'ont emmené certaines choses. Donc il y a certaines choses qui ont disparu, qui sont servies au passage. Donc un peu déçue, mais bon ben voilà, je me dis que c'est des leçons à prendre et puis voilà, mon intuition était que je ne sentais pas ces gens-là et j'aurais mieux fait de dire non plutôt que voilà, d'insister dans le sens où j'avais quand même besoin de l'argent qu'ils amenaient, vu qu'il y avait un désistement, et que bon, ben voilà, en plus d'un désistement, j'espérais qu'ils restent plus longtemps, et que voilà, mais heureusement, ils ne sont pas restés plus longtemps, et c'est déjà bien assez comme ça, parce que là, voilà, je suis sciée de ce qui est possible de faire en 3 jours, quoi. Donc, enfin bon, bref, c'est voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est les risques de la chose. Mais, enfin voilà, c'est interpellant encore une fois. Mais je me dis que bon, ben voilà, c'était il y a quelques jours parce que je ne suis pas venue directement. Et donc, ben voilà, c'était avant que le nettoyage se fasse, avant que les choses soient débloquées. Donc, wait and see, mais ça ne devrait plus arriver. Et de toute façon, je mets mon chalet en protection, sous protection à partir de maintenant. Et les personnes qui seront mal intentionnées, ou consciemment ou inconsciemment, n'y rentreront pas, tout simplement. Voilà, c'est décidé. Donc, ben voilà, je ne devrais pas être étonnée que certaines personnes fassent demi-tour avant d'arriver ou avant de rentrer dedans. On n'arrive pas à rentrer dedans, ou peu importe. Enfin, bon, bref, il y a des choses qui vont se passer certainement avec certaines personnes, mais c'est pas grave parce que c'est tant mieux et ce sera pour un mieux de toute façon. Donc voilà. Alors, mis à part ça, ben voilà, hier je façonnais, non. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on dit. Oui, enfin bref, ça, quand ça me reviendra et quand j'arriverai à mettre ma langue dans le bon sens pour vous le dire, je vous le dirai. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Oui, plein d'idées, en fait, plein d'idées hier pour mettre des choses en place ici, entre autres. Mais aussi, ben voilà, d'autres endroits. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les mettre, remettre ça sur papier parce que ben voilà, il y a certaines choses qui avaient déjà été écrites mais qui sont disparues avec l'ordinateur. Donc à réécrire, à refaire, à remettre en place. Donc ben voilà, des idées sont là, donc il n'y a plus qu'à faire et qu'à mettre les choses en musique. Donc, ben voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre? Donc, ben voilà, je pense que la leçon, c'est de prendre les choses comme elles viennent et de prendre les leçons de la vie et ce qui est là, et surtout suivre son intuition. Ça, c'est vraiment la grosse leçon du jour. Quoi qu'il arrive, faire confiance à la vie et lâcher voilà les obligations par manque et qui en final ben voilà n'arrange pas les choses parce qu'il y a des pertes derrière. Donc ben voilà, mis à part ça tout va bien, il fait beau. Il fait magnifique en ce matin, calme. En tout cas, ici, c'est toujours le grand calme. Donc, j'adore, quoi. Enfin, voilà, je me réjouis.
Et donc je me réjouis aussi de ce que je prépare et de ce que je vais mettre en place ici, entre autres. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous retrouve.